Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Ratchet & Clank. Et donc, on s'était arrêté là, hein? Mais le détecteur signale la présence d'un prototype de Drake derrière ce sas. Ok. Il a pas l'air rassuré, hein. Sois prudent là-bas, Clank. Bah, j'essaye. Très impressionnant. Oh oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Oh oui. Ok, on a ce truc. Et du coup... Qu'est-ce que c'est? Ça alors, c'est une puce d'amélioration de robot gadget. Ah oui? Je dois pouvoir reprogrammer ces robots gadgets avec mon amélioration. Comment tu t'en sors, Clank? Je viens de trouver un nouveau gadget. Oh, wow! C'est quoi? Un verre à grappin? Non, attends. Ce serait pas un de ces nouveaux séparateurs d'ions gravomatiques. Faut partager tes découvertes? Je crois que je vais garder ça pour moi. Merci. Mais il y a toujours un prototype dans les environs. Donc si par exemple je fais... Je vais aller le chercher pour toi. Oh, très énorme. Bien. Énorme ce gameplay, énorme. Alors... Ça m'arrête des fixations distantes. Ah oui? Est-ce que je peux pas genre... Ok. Avec vous? Ah oui. Nice. Attends. C'est tellement énorme ce jeu. À chaque fois on en découvre des... Des nouveaux trucs, hein. Ah ouais. Alors du coup... Ah oui, c'est parce que je suis pas en mode robot passerelle, d'accord. C'est bon. Je ne prenais pas au départ. Je fais, non mais tant qu'il s'y veut. Très impressionnant. Oh là là. Ah non. Oh, j'ai peur. Oh, si vous saviez à quel point j'ai eu peur. Non, c'est pas cool tout ça. Je dois pouvoir reprogrammer ces robots gadgets avec mon amélioration. Ah oui, attends. Hop, passerelle s'il vous plaît. Nice. Ok. Ah ouais, donc du coup... Du coup, bah, on va prendre celui-là, par exemple. Voilà. Oh, c'est parfait. C'est tellement génial. Alors, du coup, il nous faut un robot batterie. Ok. On est bien. Sacré casse-tête. C'est un sacré casse-tête, mais on va voir ça. Genre, là, il suffit donc de faire... Ah merde, j'ai pas maintenu, excusez-moi. Il suffit de faire ça et de faire ça. Et maintenant, voilà. Casse-tête de rien du tout, quoi. C'est de blague. Ok, alors maintenant. Oh, maintenant, il nous en faut trois. Ouh là là. Ouh là là, le casse-tête est là. Donc attends, il nous faut trois trucs. Ok, donc techniquement, je peux en avoir un là. J'allais reprendre tous les autres trucs, ouais.
Je peux rétablir l'alimentation de cette porte des deux côtés, on dirait. Ah ouais? Ah mais carrément, mais en fait, il n'y a même pas besoin de reprendre les trucs. Regardez, on fait ça. Voilà. Et du coup, on peut prendre lui. Voilà. Et lui, on va le mettre là. Ah, et du coup, on va prendre lui parce qu'on n'a plus besoin pour la porte. Let's go. Ah, facile. Ah, les voilà. Souci. Ratchet, à toi. J'ai localisé une paire de magnétibots. Je rejoins ta position maintenant. Mortel. J'ai toujours voulu une paire de magnétibots. Bien joué, Gank. À toutes. Paire de magnétibots. Oula. Il fallait aller en haut. C'est ça. Ah, et voilà. Étant trop chétif pour porter les magnétibots, Clank les restitue à Ratchet. Et tu as enfin assez. Ratchet, où en es-tu dans l'opération Étoile Filante? On a été un peu retardé, mais c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut pour rendre les héros encore plus héroïques. Jette un œil. Excellent choix. Alors, on va améliorer notre combustor encore une fois. Hein, histoire de... Alors, la capacité des munitions pour combustor contenues dans les caisses est doublée. Oh, génial ça. Génial. Donc du coup, on a encore du déblocage à faire. Laisse Monsieur Zurkon faire tout le travail pour toi. Ok. Le crocheteur pourrait peut-être nous aider. Eh bien oui. On va voir. On va y arriver seulement. D'autres rayons et les rupteurs servent uniquement à obstruer. Et des rayons. Assure-toi qu'ils n'obstruent pas les ports. Tu as besoin d'aide, appuie sur la touche triangle. Ah oui. Ok, je comprends. Cela, vous voyez, ça obstrue. Donc il faudrait mettre ça comme ça. Ah oui, putain, j'ai compris en fait. Hein. C'est tout con. Alors ok. Donc sur la map, on a... ce côté là qui amène là bas mais ce côté il va où? Ce côté il va nulle part en fait. Aborder le vaisseau de guerre. Ah ouais? Oh, vas-y, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller mais est-ce que c'est intéressant? C'est bizarre qu'on n'ait pas la map. Vas-y, je l'aborde. Je suis un warrior. D'après ma base de données, nous allons vers une navette conçue pour transporter les expériences auxquelles Drake tient le plus. Il sait s'occuper, on ne peut pas lui enlever ça. Allons voir ce qu'il a encore fait. Intrus détecté. Vous savez ce qu'ils ont oublié en fait. Le truc que vous avez vu en bas, c'est un truc qui a été fait. C'est une cinématique en fait qui a été fait sous After Effects. Et comment dire. Ah, c'est pas fini. Et du coup, vous voyez le truc, c'est les plans en fait que vous avez vu. Les traits, c'est pour le plan 3D. C'est juste énorme. Ok, donc nous on veut cette arme là. Non, cette arme là, s'il te plaît. Merci. Je kiffe, ça me fait marrer. Oh, voyons donc. Ce style. Donc il faut sauter par-dessus à chaque fois. C'est la classe quand même. Ah ouais. En même temps, je
le comprends, c'est chiant de travailler. Sauf quand on fait du YouTube. Là, ça va, hein. C'est pas trop chiant, c'est même plutôt marrant. Par contre, ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu, bien entendu. Alors... Tu vas battre. C'est moi le sopro. C'est moi le sopro. Alors là-bas, on a quoi? De la vie. Parce que la vie, c'est bien. On va faire péter ça d'ailleurs. Et on va prendre ça. Voilà. Plus 2. Plus 2, plus 2. Donc, on a quoi? Le prédateur. Oh ouais. Retrait non autorisé d'une arme détectée. Séquence d'autodestruction initiée. C'est pas juste. Ratchet, on ne doit pas s'arrêter. Vite. Hey, c'est un don, ça. Je n'aime pas ça du tout. Il s'est emparé du lance-prédateur. Le vaisseau s'autodétruira dans 20 secondes. Vite. Donc ça c'est bon, on a été faire cet objectif aussi, qui était quoi? Qui était optionnel aussi. Oh c'est parfait, on trouve de ces trucs. Alors là je suppose à tous les chercheurs, c'est le président Drake qui vous parle. Je tenais à vous remercier. Ah c'est bon, on a le combustor. Du coup on a tout? Ah non, il y en a plusieurs. Pour tous les efforts, ah. Vous avez fourni... Oh mais c'est génial. Ah mais moi je veux toutes les armes du jeu, hein. Je votre oh, moi je veux mais tout. Je ne serais rien sans vous tous, travailleurs dévoués qui œuvrez dans ces locaux. Oui. Grâce aux armes que vous créez, vous allez contribuer à nous propulser vers une ère nouvelle qui verra l'avènement de notre peuple. Ratchet, attention. Quand j'ai été engagé, il m'avait dit que je voyagerais. Je croyais que j'allais. Le voilà. Et non, tu ne croiras pas, puisque tu meurs dans d'autres souffrances. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, mais à fois pire. Autant pour moi. À toutes les unités, rendez-vous au poste de recherche numéro 5. Les créatures fondent le système de ventilation. Voilà. Tu meurs. Enfin, c'est... On a le crocheteur ici. Donc si on a le crocheteur ici, ça veut dire derrière on a peut-être un truc bien. Donc on va aller voir. Ah ouais, c'est obstrué. Bah maintenant j'ai compris, vous voyez le truc que j'avais fait au pif. Maintenant je comprends mieux. Mais alors, il faudrait ça comme ça. Là on est bien. Là, il nous faut... Il nous faut un ça, je pense. Il a... Enfin, j'ai pas testé, hein, mais... voilà. Tu t'en sors comme un chef, Ratchet. Continue, je ne vais pas te lâcher. Non, non, mais c'est pas vrai, je rêve, là. Il était hors jeu. C'est quoi cet arbitre? Bien sûr. Oh, il sous les loulous. Oh, c'est fou, ça. Abonnez-vous. Plus de sous, bien sûr. Abonnez-vous. Alors, je peux aller par là. Oui, ok. Ok. Mais j'ai envie d'aller voir par là. Voilà. Ça a l'air, sympa. Ah bah voilà, il y a une carte. Oh, ça m'a l'air sympa. Je m'en fous. J'y vais quand même. Je vais y arriver. Je pensais pas genre... Non. Ah mais non. Non, là je suis pas d'accord. M'en fous les loulous. On s'arrêtera pas tant que j'y arriverai pas. C'est pas normal. Ok. Voilà. J'ai été distrait en même temps.
Genre, vous me distrayez. C'est un truc de fou, quoi. Non, on a quoi, là? Ah bah, parfait. Un paquet d'holocartes. Alors maintenant, je peux crever, hein, comme un pro. Sauf que je vais pas y arriver, vous allez voir. Voilà, je vous l'avais dit. Mais t'inquiète. C'est facile. Ici, là-bas. Oh oui. Ah. Ça, c'est pas cool, monsieur. Voilà. Parce que moi... Vous voyez, je joue au cac, hein, je suis comme c'est ça. C'est quoi ces trucs? Je sais pas. Il semblerait que le président Drake ait créé sa propre armée. Oh, ça a l'air cool. Et... Oh oui, ça a l'air tellement cool que je vais les libérer. Essai désactivé. Oh oui. Merde. Merde, je dis. Oui. Donc next. Module d'essai désactivé. Voilà. Du coup, bah j'ai l'air un peu con parce que je m'étais dit on va laisser la vie là-bas pour être tranquille. Mais pas du tout. Je me permets de vous rappeler que les projets, dossiers et expériences menées ici sont la propriété exclusive de Drake Industries. Ah oui. Je vois que je suis ouvert aux suggestions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma politique, n'hésitez pas à exprimer votre mécontentement auprès d'un de nos robots de guerre armés jusqu'aux dents qui patrouillent dans l'entrée pour votre sécurité. Pour votre sécurité. Bien sûr. Pour ma sécurité. C'est évident. Sont échappés, sauf qui peut, enfin surtout moi. Merci, gars. J'aime quand on me donne des munitions. On dirait que Drake a fait des expériences sur des créatures. Ce ne sont pas quelques insectes qui vont faire peur au Capitaine Quark. À moins qu'il ne s'agisse d'araignées. Ce sont des araignées? Ah, je ne serai jamais bien dans ce lit. Je veux dire, à ce poste de contrôle, d'où je suis ta progression. Si la voie est libre, ah, je peux pas monter, genre. Attendez, merde. Ah, si, je pensais, ça se trouve, il y a des trucs. Ah, bah oui, ah, bah oui, il y a des trucs. Génial, oh. J'ai bien fait. C'est fou ça, cet instinct. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Un instinct de loup. Un instinct de moi. Voilà. Allez, admirez encore une fois là. Je m'épate. Bon, le sas est ouvert. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va très bien. Mais très cher là. Là, ça va moins bien, mais. J'ai appris récemment que certains d'entre vous avaient pénétré dans la zone interdite afin de nourrir le sujet Echo 857B en cachette. Ah ouais? Laissez-moi vous rappeler qu'Echo 857B n'est pas un animal domestique. Et que si on vous surprend à le nourrir, vous finirez dans le sac à laine. Dans le sac à laine.
carrément. Ah, je rigole un peu moins quand même, hein. C'est pas si facile, hein. Qui c'est Vous voulez pas me donner du soin? Vous voulez me balancer des trucs à la con? Ah bah c'est lui. Oh mais oui, facile en fait. C'est vrai. Par contre, lui a l'air un peu spécial, hein, sachant qu'il est pas tout seul. Hein? Pas du tout. Voilà. Oh putain, oh ça fait mal. Non! J'en vais dessus comme un gros blaireau. On revient à combien de vie? Full ou pas? Mais très cher Flat, très curieux, ça va. J'ai appris récemment que certains d'entre vous avaient pénétré dans la zone interdite afin de nourrir le sujet Echo 857B en cachette. Laissez-moi vous rappeler qu'Echo 857B n'est pas un animal domestique et que si on vous surprend à le nourrir, vous finirez dans sa gamelle. Ouais, bah en fait c'est bon. Moi je croyais qu'il fallait pour faire, mais pas du tout. Voilà. Allez là. On est bien. On est bien, franchement. Bien. Alors il y a quoi là-dedans? Tu devrais penser à améliorer ton lance prédateur. Mais t'inquiète. Prédateur, carrément. Ouais, je sais, mais J'achèterais vraiment ça si j'étais toi. Ouais, mais de toute façon, celui-là, je peux pas encore l'améliorer. Il faudrait que je le level up. Hein. Donc, ouais, on va améliorer le lance-prédateur. Pourquoi pas? Parce qu'il est cool, moi, je trouve. Alors, voilà. Voilà comme il est cool. Soyons cool. Ah, super. Et genre, si je vais par là, du coup... Ok, et là je peux pas plus. D'accord. Alors j'en étais où ça? Bon, on va finir ça. Hein? Voilà. Bon, maintenant c'est sûr que maintenant il va falloir que je joue avec, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est d'abord crocheter tout ça. Y a rien? Y a rien. Bah, c'est trop simple ici alors s'il y a rien. Ouais, si, y a quelque chose. Il y a que ces deux-là, ils bougent en même temps, donc il faut absolument les mettre là. Voilà, c'est facile, hein, bien sûr. Tout est toujours... J'avais pas vu qu'il y avait un autre. Tout est toujours facile dans le crochetage. C'est ça qui est magnifique, mais... C'est loulou. Vous saviez que le projet secret de Drake était un monstre Blarg? Hein? Vraiment? Je me demande pourquoi ça n'était dans aucun de mes rapports. Je m'attendais à quelque chose de bien moins mortel. Ah, ne t'inquiète pas, respire et... Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Qu'est-ce que vous m'avez appris? Capitaine? Oh non. Oui, mais il est trop la classe, ce boss. Il y a la classe. Il n'y a rien. Moi je l'aime bien. Je sais pas ce qu'il fait là, mais je me casse. Toujours se casser quand il faut. La base. Par contre, du coup, je sais pas si ce sera assez puissant. Mais voilà. Et a priori, pour le moment, il fait rien de très ouf. Oh non, ce n'est que je suis assez calme. Alors, est-ce que quand on fait ça, il y a une pause dans le jeu? Très bien, alors, ouais. Mon pyro lanceur. Oh,
attends. Quelle part. Vas-y. Cramon. Oh, il a disparu dans la lave. Oh, mais il est où? Où qu'il est? Il est parti. Reviens, mon petit. C'est la phase AD, en fait. Ah non. Ah non, c'est pas la phase. Ah, dégage. Dégagé. Ah, plus de munitions. Hop là. Connard. Hop là. Petit con. Olé. Le petit con. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Ok. Ah, rien de spécial. Bon, par contre, il me faut une autre arme. Donc on va prendre ça, voilà, je sais pas c'est quoi. On s'en fout, hein. Le but, c'est de lui en balancer plein la gueule. Et comme je sais pas si on peut l'attaquer au cac. Merde. Hop là. Ça pue. Très bien. Non mais ça me rassure. Si. Non mais t'es un connard. Un connard. Alors attendez, on a quoi maintenant? Monsieur Zurkon. Ouais non, j'ai pas envie. J'ai envie de tester le pixeliseur sur lui. Voir ce que ça peut donner. Ok, c'est bon. Ah, il aime pas être pixelisé, les loups. Il déteste la pixelisation. Légèrement. Légèrement, hein. Oh putain. Pas eux. Oh non. Oh non, je suis pas sérieux là. Oh, je suis désolé. J'ai fait complètement de la merde. Ok. Parti. J'avais complètement oublié qu'il y avait la lave. Non mais je sais que des fois. C'est très efficace, hein, le pixeliseur. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Non mais quelle idée de mettre de la lave aussi. Hein. Moi c'est évident que je tombe dedans. Voyons. Et moi quand même. Je suis obligé de tomber dedans. C'est une évidence même. Ouais, 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 ouais. Hop. Ah. Vous n'avez plus de munitions. Vous ne savez plus quoi faire. Notre équipe n'est pas là pour vous aider. Alors, attendez. Alors ça, on a vu que c'était pas mal. Ça, je sais pas c'est quoi. On va essayer. Je sais pas si c'est efficace contre lui. Oh, oh des dards. Oh la classe. Ah mais il se fait pas de dégâts du tout. Ouais, bof alors. Mais c'est marrant de... Et ça c'est quoi?
Oh, c'est génial. C'est quoi? Munition mais pour je sais pas quoi. Attends. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? Monsieur Zurkon, il fait quoi? Ah oui. Vas-y, détruis mon petit. T'es tu? Mais je vois. T'as pas que ça à foutre, hein. Oui, je sais. Alors. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va utiliser le lance-prédateur. Ou oh, alors là, je peux vous dire qu'il a pas kiffé. Légèrement, hein, pas beaucoup. Du coup, on va utiliser ça. Franchement. Ah bah non. Augmentez pas son QI. Franchement, il n'y a pas besoin. Le QI, vous l'oubliez de ce crétin. C'est parfait. Il faut l'oublier. Ah, attendez. Donc, nous allons sortir notre lance-prédateur, hein, qui marche plutôt pas mal. Moi, je trouve, personnellement, qu'il aime bien le... Ah merde. Ah, il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors, du coup, qu'utiliser, hein. Ah bah ça, parce qu'on sait que ça lui fait mal, hein, le pixel machin, là. Donc on va le pixeliser parce qu'il aime ça, hein. Donc, pixelisons ce monsieur, bien sûr, sans respect, hein, apparent, à la humeur. Je me rends. Ne me faites pas de mal. Dites-nous ce que vous... Attendez. Dites-nous ce que vous savez sur le plan de Drake. Merci. Voilà ce qu'il a dit. Je vous donne cette info, robot. Surveille celui-là, tu veux? Je vais faire une petite pause. Bonjour, bande de stupides blargues. Si vous regardez cet info-robot, c'est que vous avez été sélectionné pour tester ma toute dernière invention. Le Jetpack X-480! Bien que nous ayons eu quelques problèmes lors des premiers tests, je suis heureux de vous annoncer que tout est réglé désormais. Vous pouvez maintenant traverser le ciel avec votre Jetpack X-480, ce qui vous donnera un avantage certain sur ce crétin cloué au sol, le Jetpack X-480. Procurez-vous votre exemplaire dans notre base sur Gaspar. Le docteur Nefarious décline toute responsabilité en cas de mort, démembrement ou lésion du système nerveux central. Capitaine, ici Ratchet. On a éliminé le monstre Blargue et on a découvert ce que mijotait Drake. De quoi? Mais c'est un prêt? Si ou non? Eh oui, tu trouves, hein? Moi aussi, je trouve. Par contre, est-ce qu'on peut avoir cette bouliche? A priori, non. Ok. Par contre, on va faire bien le tour, hein, histoire de récupérer un max de trucs. Voilà, avant de y aller, bien sûr, hein, la base.
Ok, donc on peut aller par là ou par là. Donc, écoutez, je ne sais pas, allons vers l'endroit qu'on connaît pas. Hein, donc, celui-ci, a priori. Voilà. Bien évidemment, toujours la base. Le combustor à nouveau. Donc là, ouais, là, on n'a jamais été, donc on va y aller. Voilà, si on peut y aller. Oh, mais c'est génial. Ah, vous voyez, j'ai bien fait. Toujours aller là où on peut pas. Toujours. Là-bas, là où on n'est pas allé. Là où on peut pas. On peut très bien. Si. Vous m'avez compris. Nous nous sommes compris. C'est magnifique. Alors là, on a tout ce qu'il faut. Ah bah on peut retourner à la station comme ça. Oh bah c'est GG ça. Hey, je suis sûr que les Rangers auraient besoin de jetpack. Et si on allait sur Gaspard pour en récupérer? Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Si tu arrives à en ramener un, Hélaris pourra en fabriquer pour les Rangers. Je te confie la mission pas du tout mortelle de récupérer un jetpack. Le capitaine Quark volera bientôt comme un oiseau. Mais oui, mais oui. Mais pourquoi pas? Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas des améliores? Monsieur Zurkon voudrait vraiment que tu l'améliores. Ça y est, il met des noms au pif. Le lance-prédateur, on a tout fait, ok. Le groovy machin. Voilà. On va faire dans l'ordre. Hein. Et puis voilà. Tant pis. Hein. Hey, hop. Ça nous forcera à utiliser quelques trucs différents. Sur quelle planète on pourrait aller? On doit découvrir ce que Nefarious mijote sur la planète Gaspard. Ok. Bah, allons chez Gaspard. Voyons si on peut te... Ok, allons te dégoter un nouveau jetpack. Oui, c'est quoi ça? Ratchet pourrait utiliser okay. Cette station de ravitaillement dès qu'il aurait mis la main sur le jetpack. Tout à fait. Merci, Naran. Je suis très gentil. Ça m'aiderait si tu achetais quelque chose, plus que quelques ventes, et je gagnerais une collection de couteaux de cuisine. Ah oui, mais il me faut 21 000, mon petit, pour ça. Donc, tu vas attendre un peu. On peut, ça? Ratchet rêvait de monter sur ce glissorail, et il le ferait dès qu'il aurait trouvé des glissobots. Oh merde. Oh, c'est génial, ça. Non mais attendez. Non mais c'est fou. Nefarious ne plaisante pas avec cette opération. Tu m'étonnes. Allons voir, on trouvera peut-être quelque chose. Bah sûrement. Alors... On trouve plein de trucs de toute façon, alors... Allons-y, hein. What? Calme-toi. Je vais t'apprendre, moi. Ah, c'est con, hein. C'est con. Pas du tout. C'est nul. Super, une forme bien née. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tout soit fabriqué en alliage dense? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Oui.
Dis, pauvre fou. Ok, bon, c'est pas grave. On tirera sur les autres plus tard. Voilà. Oh, il y a plein de sous là-bas. À moins que ce ne soit la toute dernière fournée de crétins galactiques. J'espère que les locaux vous plaisent. Ça vaudrait mieux pour vous, parce que vous n'en sortirez plus jamais. Ouais, là, on est bien, on est bien, on est bien. On va les attendre. Là. Vous croyez fort Là, j'ai envie de dire. Ah, lol. Oh, bâtard. Oh, ça ne suffit pas. En mesure, carrément. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Oh, oh, vite. Oui. On est bon. On est bon. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, c'est parfait. J'aime ce jeu. Alors. Ok. Donc là, il n'y a pas besoin. On monte. Oh, des spawners. Viens là, le spawner. Aucun respect pour les robots, hein, la base. Eh bien, c'est génial, on peut y aller, hein. Bonjour. Comment ça va? Bon, a priori, ça a l'air d'aller bien, hein. Ils viennent par ici. Ah bah, c'est pas grave.
Ils viennent par ici. Quoi? Tirer sur un truc, non? Je sais pas. Hey, c'est pas des glissobots, ça? Un verrou à trois points. Ah. Pour l'ouvrir, nos héros allaient devoir se surpasser et activer les trois boutons en même temps. Oula! Les trois boutons en même temps. Alors, attendez. Les trois boutons en même temps. Ok. Et c'est dans cet endroit improbable que Ratchet trouvera une paire de glissobots flambant neuves. Après avoir enfilé ses glissobots, Ratchet bondit sur le rail. Eh oui, on va bondir sur le rail. Oh, c'est tout classe. Oh oui. On peut se pencher sur les côtés. Toujours en quête du jetpack, Ratchet utilisa ses toutes nouvelles glissobots pour explorer la planète. Oui, alors non. Non, parce que je veux les améliorations. Donc on en était où? On en était là. Hein. Donc celui-là bientôt terminé. Voilà. Le lance prédateur, on l'a terminé. Le Zurkon. Voilà. On est bien avec le Zurkon. On est bien. Bon, bien voilà les loulous. Nous, on va se laisser là du coup. Donc, je vous dis à la prochaine hein, pour la suite. Bye bye!